Il y a des gens qui sont morts pour beaucoup moins. Fallait pas dire ça. Des gens qui sont morts pour beaucoup beaucoup moins. Oh, vous savez ce qui est drôle? Ce qui pourrait être drôle, c'est de tomber nez à nez avec l'ours. Ah, oh. Oh, ça, ça serait comique. Ça, ça serait plutôt comique. Parce qu'on est bien dans la zone de l'ours. Ouais. Ça serait assez marrant, tu vois. Alors du coup on va sur... On va où exactement? Parce qu'on a... Je pense qu'on va aller s'abriter aux maisons là-bas. Oh là là, j'ai même pas envie d'ouvrir mon inventaire pour voir l'état de nos vêtements. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Parce que là on va avoir des vêtements gelés. Quasiment gelés. C'est exactement où on est. C'est ce que j'essaye de me dire. Tout va bien. T'as comme idée à la con. Hein. Là, on a, là, on fait pas mieux quand même. Il devrait avoir une maison sur la gauche. Et sur la droite. Non. Bon ok, je suis peut-être un peu perdu. C'est fort possible. Mais est-ce que c'est vraiment ma faute? Au final. Au final, à qui est vraiment la faute? C'est ça qui est important, moi je dis. Mais c'est sérieux, mais... accès ouest. Ça m'aide pas. Ah si, du coup, il devrait avoir les maisons là. Pile devant. L'accès ouest. Notre maison, genre, elle est là-bas en fait, je crois, non? Ah, mais pas du tout! Ah, mais pas du tout! Je sais pas où on est. Ah mais c'est magnifique quoi. Je sais pas où on est.
Je suis en train de me demander pourquoi elle s'évanouit pas aussi. Je dois avouer que je suis en train de me demander pourquoi elle s'évanouit pas. Je suis sûr que je suis déjà venu ici. Ça serait bien que le temps s'arrête aussi, s'il vous plaît. Ça serait vraiment bien. Je veux pas dire, mais c'est un peu embêtant. Je vois strictement rien, il fait froid. On est sorti de... On a passé 10 jours de galère. En plus, il va faire nuit. On a passé 10 jours de galère parce qu'on était malade. Et le jour... où on a fini ça, où on est sorti de cette galère, c'est le jour où on se perd à l'extérieur. Mais t'es vraiment sérieux, on voit rien. Genre on voit rien. Non, ça bifurque sur la gauche, je sais pas du tout où on voit. Ça devrait bifurquer de faire à droite si c'était la maison. Je sais pas du tout où on va. Il y a une sorte de lumière et tout. J'ai l'impression qu'on va au paradis là, ça y est. Un paradis pour les cons parce qu'on s'est perdu comme un débile. Ah, c'est impressionnant hein, comme ça. Hein. Oh mon dieu, qu'est-ce que je m'en veux. Oh mon dieu, qu'est-ce que je m'en veux. Ça serait bien aussi que... Genre, parce que là, j'essaye de me protéger du vent. Ça serait un peu drôle qu'on se foule la cheville en même temps, non? Parce qu'on est sur un peu la pente. Je vois l'icône qui apparaît et disparaît, la carapace. Pas, là. C'est pas stressant du tout. C'est pas stressant du tout. Il y a la musique de la mort, là, qui commence à arriver. C'est pas mal aussi. J'avoue, c'est pas mal. Oh, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on va arriver à la maison. T'es sérieux? Elle peut rester éveillée aussi longtemps? Oh, on est sur le chemin de la maison. T'es sérieux? Tu vas me dire qu'elle peut rester éveillée aussi longtemps? Je crois que normalement, elle est en train de tituber quand elle... après elle est vraiment épuisée. Vous voyez, l'écran se brouille et tout ça. Mais je suis pas sûr si ça le fait, parce que ça, je sais que ça le fait. Quand vous êtes bas en vie, ça oui. Mais fatigué, honnêtement, ça fait plusieurs années hein, que je suis pas tombé de fatigue en fait. Je sais qu'elle s'endort et qu'elle dort pendant quelques heures. Donc si par exemple ça arrive quand vous êtes à l'extérieur, bah, la plupart du temps vous mourrez de froid. Mais tomber de fatigue, ça veut pas essentiellement dire mourir automatiquement. Ah, s'il fait beau et que... Putain, la musique qui stresse quoi. S'il fait beau, que vous avez mangé et bu, en théorie vous devrez pas mourir. À moins qu'un loup passe à côté et vous mange. Est-ce qu'on est à la maison ou pas? Sentier du lac. Ah. On est arrivé à la maison. Je suis assez surpris qu'elle soit pas tombée de fatigue. Alors après, on s'est soigné en même temps. Oh la vache. Ha ha ha!
Ça va? Ça va, Ellie? Ça va bien ou pas? Comment tu te sens? Fatigué, non? Un peu? Ouais, tu m'étonnes. Ok, risque d'hypothermie quasiment plein, ça c'est cool, on est à 84%. Les vêtements ils ont bien souffert aussi, c'est bien, c'est cool. Ils sont tous mouillés. Encore une fois, je pense qu'on a eu de la chance parce qu'il faisait pas extrêmement froid, donc rien à geler. Mais waouh. Waouh. Soon. Ouh, donc après cette... cette sortie quelque peu... intéressante. Honnêtement, je sais pas comment on a... honnêtement, je pensais mourir. Je pense que ce qui nous a sauvé la vie... c'est le fait de... plus être malade, en fait. Je crois que c'est ça qui nous a vraiment sauvé la vie. Mais du coup, on a perdu beaucoup de vie. Hein. Bon, on a encore 50%. Ça, c'est pas... On a vu pire. God, my stomach feels like an empty pit. Tu vas te calmer. On a vu pire. Alors. Résultat des courses. Bah on a récupéré une vingtaine de bois. Ouais. Qu'est-ce que... Bon, c'est encore le matin. Elle pourrait dormir encore ? On pourrait dormir encore. Ah, intéressant. Qu'est-ce qu'on veut crafter? Là, on a vraiment rien à crafter. Ça, on va le faire. On n'a rien à crafter. Il n'y a que des flèches. Honnêtement, il n'y a que les flèches à faire. Il n'y a vraiment que les flèches à faire. Quand, bon, comme ça, on sera prêt pour quand on aura notre arc, en fait. Mais le problème, c'est qu'on est... On est resté à la maison, en fait, trop longtemps. On va sortir. Le problème, c'est qu'on est resté trop à la maison. À crafter et tout ça avec notre manteau et tout. Et du coup, je pense que ça va mal finir. Du coup, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 steaks. Il fait extrêmement froid. Waouh, comme elle est rapide! Là, ça fait étrange, du coup. 8 steaks. On pourrait aller... Je pense qu'il fait assez jour pour qu'on puisse crafter une flèche. On va le faire. On pourrait aller... chercher des lapins, je dirais. J'ai envie d'aller... Honnêtement, j'aimerais bien aller chasser... Ah putain, j'ai pas assez chaud. J'aimerais bien aller chasser... le lapin. Non, pas le lapin, le cerf. Vous avez vu tous les cerfs qu'on a vus la journée dernière le jour dernier. Hier, quoi. J'ai envie de faire ça. Le problème, c'est que... Bah, encore une fois... On a que... on a que le fusil. Et on est assez limité en balles. Donc je me dis que ça servirait pas à grand chose. Enfin, oui, non, si ça marcherait, mais bon... ouais. Après, il faut les trouver, les balles aussi. Ah, parfait, le temps se calme. Après, faut les trouver, les balles. Donc, bon. Donc, j'ai envie de vous dire...
J'ai envie de vous dire que, au final, on va pas le faire. Il y avait le métal aussi, on a récupéré un peu de métal la dernière fois. Oui. Allô. Ah non, c'est plein, mais chier. Transfert et tout. On met où le métal? On a qu'à mettre là. Métal. Ouh. Métal. Voilà, très bien. J'ai envie de la casser cette table. Ça fait chier ce qu'il faut. Ça prend presque une heure pour trois morceaux de boude à la con et ça utilise la hache en plus. Donc ça m'embête. Du coup on a quoi sur nous? Bon, par contre ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir repartir en aventure. Ça c'est cool. Ça c'est vraiment vraiment cool. On va pouvoir repartir loin parce que maintenant elle se fatigue beaucoup moins. Donc oui, alors on est à combien? On est à 28 kilos. Pourquoi on est à 28 kilos? Tu peux m'expliquer ça par contre? Parce que... Oui. Et oui, on a le fusil. Pour ça aussi que je veux l'arc. On est parti. Ah, c'est mieux quand même. Je vais voir un peu du tout plat. Moins 12. Moins 12. Continuons de nous balader dans la forêt. Ça marche? On fait ça? On fait ça. Ah, par contre, faut faire attention là parce qu'il y avait des loups la dernière fois. C'est pas trop, ils ont migré, c'est con. Bah il a migré devant moi, c'est bien, c'est cool. Il est sur les rails. Il est juste sur les rails. Si on peut passer sur la droite sans qu'il nous sente, ça serait vraiment cool. Et on fait un tour dans la forêt, on regarde s'il n'y a pas des choses à récupérer. Là, honnêtement, je suis en train de perdre un peu de temps. En fait, ce que je fais, hein, ce que j'ai en tête. C'est perdre un peu de temps pour que les bois... Pour que le... Merde, il nous a senti. Pour que le bois... sèche. Et qu'on puisse faire notre arc. Troll en foi. On devrait pouvoir le semer dans cette cabane. J'espère. Ah, vous avez vu, on a sprinté, elle est pas fatiguée, c'est bien. Ok. D'accord. Ok. Apparemment, il s'en fout. Hein, ok. Pas de problème. Tu vas pas nous courser tout le long parce que quand même c'est un peu chiant. Tu vois. Il y en a un devant nous en plus. Oh, la vache. Il y a un cerf là. S'il attaque le cerf, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut monter? Non, on peut pas monter sur ça. Oula, toi tu... Putain. On a une belle journée, on est en forme. Je voulais me balader. Lui, il est là vraiment pour me gâcher la journée, quoi. Ah, complètement. Il y a plein de petits bouts de bois, en plus, à récupérer. Parce que vu qu'il y a une tempête de fou. Oh la vache, on a eu de la chance. Oh, de la chance. Ok, ça c'est où c'est qu'on avait récupéré.
qu'il avait peur. L'autre, il est toujours là. Mais c'est énorme. J'ai perdu ma route. Est-ce que les rails sont à gauche ou devant nous? Je sais plus. Mais c'est vraiment bien, quoi. Mon dieu. Ça devient relou, là. Ah, sont là, les rails. Ah, mais c'est devenu notre loot compagnie. Hein. Le truc nous suit jusqu'à la fin du monde, apparemment. Regarde-moi ça. Il a fait tout le tour. Je veux pas dire, il a fait tout le tour. On n'a pas pu le perdre. C'est énorme. Pourtant, à un moment, j'étais en descente et j'ai sprinté. Hein. Et le mec nous suit encore. Non, t'es sérieux? Ça y est? Tu ne nous suis plus? Eh ben... Putain! Ah bah là, du coup... Ah bah du coup les rails hein, on a fait un train en fait. Et on a pu le bouger, on a pu le changer d'emplacement. Bah du coup les rails sont nickel, il n'y a plus personne. Vraiment bien. Ah, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, faut qu'on se réchauffe. Ah fais chier. Faut qu'on se réchauffe. Je vais déposer le bois qu'on a récupéré un peu. Ah, ça va, mec? Ah, moi j'ai eu une journée un peu à la con, hein, j'avoue. Oh la vache. Non. Bon, on n'a pas perdu notre temps non plus, mais bon. Ça aurait pu être légèrement mieux. Ça aurait pu être légèrement mieux. On va faire une flèche. What? Okay. On va faire une flèche. Le temps que ça nous réchauffe et on va ressortir encore. Ça, il fait beau. Oui, ça va, il fait beau. On sort. Ne dis pas que le vent se lève. Hein. Non, non. Attention. Non, on y va. Du coup, on va où? Si si, le vent se lève, si si, c'est bien ça. Bon, le vent il souffle là-bas, bon déjà pas le lac, parce que sinon on va pas pouvoir avancer. Je me demande si le loup revient à son emplacement. Putain de... Bah voilà, bah j'ai la réponse. Oh mon dieu, mais c'est quoi ce loup? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué sa famille? Oh, c'est fort possible. Je suis en train de me dire, c'est fort possible qu'on ait tué sa famille. Parce qu'on a tué tellement. On l'a peut-être sur nous en fait. On porte peut-être sa famille. J'avoue que oui, c'est... Oui. C'est une possibilité. J'avoue. Intéressant, intéressant. Monsieur le loup nous en veut. Celui-là, il nous en veut, honnêtement. Vraiment bien. Tissu, tissu, tissu. Où est-ce qu'on va aller, putain? Je perds mon temps.
Il est juste là, ce con. On peut pas vraiment aller là parce que ça souffle. Mais t'es chiant, toi, hein? Ouais, toi, sale con. Il est déjà midi. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir construire l'arc sans perdre la tête. On va devoir... on va avoir la folie, hein. C'est obligé, hein. L'arc c'est 10 heures. Ça sera un peu moins parce qu'on a des bons outils, ce sera peut-être 7 heures. Je dirais. Comme le manteau. Le manteau ça a été un peu moins. Mais y a aucune chance. Qu'on... On va en faire deux. Qu'on arrive à faire ça sans... Sans devenir fou. Il n'y a aucune chance. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on reste pas? Et on n'a qu'à dormir et... Sortir la nuit. On va être un peu décalé à chaque fois, mais... Je sais pas, honnêtement. Ça m'embête un peu, là. J'ai l'impression de faire du surplace. On a bien avancé là d'un coup, mais après maintenant j'ai l'impression de faire du surplace. Je voulais voir un peu le niveau qu'on avait. Arc. C'est pas mal hein, de faire des flèches. C'est vraiment pas mal. Hein. Si vous voulez vraiment... honnêtement, si vous voulez vraiment monter de niveau rapidement, bah, faites beaucoup d'embouts de flèches et après vous faites des flèches. Quoi. Bon, oui, c'est vrai qu'il faudrait des... Il faudrait... Les plumes et tout ça, quand même. Mais j'avoue que... Ouais, ça donne pas mal, ça donne pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on ressort, on va voir. On va voir si... si le loup est toujours là. Non, en plus, il fait pas froid. Oh! T'es sérieux? Non, pff, elle est fatiguée. Oh putain, chier. La pêche. La pêche. Oh, ça me tue. C'est pour ça que je voulais le manteau. C'est pour ça que je voulais le manteau. Ça me tue, il fait pas froid. Non mais elle est fatiguée quoi. Non, on va pêcher, on va aller pêcher. Que quoi? Non, c'est bon. Ah, on va aller pêcher. Parce que j'avais dit depuis 500 siècles que je voulais aller pêcher, donc on va pêcher. Même si c'est pour deux... On va pêcher 3 heures, je pense, maximum. Déjà, pour casser, pour creuser, déjà. Pour faire le trou, ok? Déjà, ça va nous prendre un moment. On va foutre l'hameçon dans l'eau. On va devoir rentrer. Je suis sûr que ça va se passer comme ça. Mais bon, au moins, bon, on aura un peu pêché, ok? On pourra cocher ça sur notre liste. On a pêché. Pendant 3 minutes. Mais on a pêché. À quoi qu'on a vu que la dernière voile était quand même résistante, hein, la madame. On a bien vu qu'elle était résistante. J'ai pas d'eau sur moi. Attends, me dis pas que j'ai pas d'eau. Ah non, ça va. Pied de biche. Voilà, alors déjà ça prend quand même du temps. Ça doit prendre au moins une heure, je pense. Vu comment le soleil bouge, je crois que ça prend une heure. Peut-être moins, 30 minutes. On va pêcher pendant 3 heures. Vas-y, fais-moi rire. J'ai pas vraiment vu. Ah, fait froid, ça y est, putain. Fait chier. Deux heures.
Il fait froid. Le temps commence. Oh, c'est con qu'on peut pas voir. Voilà. Ok, go. On rentre. Vous avez vu à un moment le lavier comme elle a baissé? Ah ouais, le coup du froid plus... plus machin, j'avoue que ça fait mal quoi. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai sprinté, parce que de toute façon après elle allait être fatiguée. Restez cool les loups. Pourquoi je regarde en l'air? On sait jamais qu'il y a un loup volant qui arrive. Qu'est-ce que... J'aime bien le réflexe, je regarde droite, gauche, hop, en l'air. Ok. Oh putain. Voilà, la solitude. La solitude me gagne. Je me rends complètement malade. Complètement fou. Par contre, j'ai peur... C'est quoi ça? Non, c'est un rocher. J'ai peur que le loup soit près de la maison. Ça, ça me ferait un peu chier, par contre. Ça me ferait un peu chier. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ouais, maintenant je vais peut-être être un peu plus hardcore avec elle. Pour la fatigue. Parce qu'elle peut rester très longtemps dans le rouge en fait. J'ai l'impression. Ok, cool. J'ai pas regardé. Putain, 900, j'aurais pas du tout mangé. Faut que je... Non, il faut se rationner là. J'ai pris un peu l'habitude de manger énormément vu qu'on était malade. Mais là, il faut faire attention. Alors je crois qu'on a eu quand même un poisson à 1000 calories. Je crois bien. Je crois 1000, et après il y avait du 400, après il y avait du 500. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Faut que j'arrête de manger autant. Enfin bref, on va dormir et on va voir s'il fait beau encore une fois et que on n'a pas froid, on retourne pêcher. Parce que franchement, la pêche c'est cool. La pêche c'est cool. Et ça nous permettra aussi de monter facilement en cuisine et en feu si jamais il fait beau et pour tout cuire et tout ça.